Sénégalais d'une cinquantaine d'années, Abassé Ndione publie chez Gallimard un roman de près de 500 pages qui constitue une première lecture tout à fait indiquée si l'on veut s'initier à la littérature africaine d'aujourd'hui. On y trouve un foisonnement généreux qui associe l'histoire du pays et le destin de personnages choisis, féminins en particulier. Mais la légende y tient également toute sa place. Écoutez l'aventure singulière de Mame Ablaye. Une baleine l'avait avalée avec sa pirogue, et pendant qu'on l'avait recherché, puis considéré comme décédé, il avait vécu dans le ventre sombre du cétacé. Lorsque la faim le prenait, il découpait délicatement, à l'aide de son couteau, un morceau de viande qu'il mangeait cru. Par bonheur, sa gourde se trouvait dans la barque, il avait rationné son eau, ne buvant qu'avec parcimonie quand la soif le tenaillait. Un jour, en prélevant un morceau pour son repas, soit il avait coupé trop profondément, soit il avait coupé trop près du cœur, la baleine avait ressenti la douleur et l'avait régurgité avec son embarcation. Il se trouvait au milieu de la mer, en pleine nuit, loin de toute habitation. Il avait rapidement évalué les dégâts, qui étaient minimes, la pirogue n'avait subi aucune avarie, la voile n'était pas déchirée, le mât n'était pas brisé, seule sa pagaie était perdue. Et Ramata, qui donne son nom à l'ouvrage, c'est une bourgeoise superbe, toute de noir vêtue, mariée au procureur général et surtout liée au médecin-chef d'un hôpital. Un jour, pour le rejoindre, elle brutalise un gardien, acte de violence aux conséquences innombrables. Sous les dehors d'une intrigue policière pétrie de fausses pistes, Abassé Ndione peint en fresque le Sénégal contemporain, contradictoire et souvent frénétique, jusqu'à l'élection récente et exemplaire du président Abdoulaye Wade.